Bonsoir mes amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple de France, bonsoir tous les peuples du monde. Mes amis, vous attendez de moi que je débriefe le discours de Macron. Eh bien, je vais vous dire, je suis très déprimé. Et pourquoi je suis déprimé? Bon, non seulement j'ai eu une journée difficile, et je vous en parlerai dans un instant, mais ce n'est pas ma personne qui importe. Je ne suis pas déprimé par mon cas, même s'il est dans un état désespéré, parce qu'effectivement le système s'attaque aux chercheurs de vérité, aux dissidents, aux rebelles, par tous les moyens, l'asphyxie financière. Alors moi je l'ai, la privation de ses enfants, je l'ai aussi, mais aussi, pour certains cas, l'enfermement en prison. Vous connaissez plein d'exemples, d'autres l'enfermement en psychiatrie, ils l'ont fait avec moi pendant une semaine, et d'autres trouvent la mort et la maladie. Et l'exil. Donc, je suis déprimé, mes amis, parce que nous avons gagné plusieurs batailles, les batailles de l'éveil, au travers des Gilets jaunes, qui ont été un formidable accélérateur de propagation d'informations à beaucoup de personnes qui n'avaient pas ouvert déjà les yeux, qui n'avaient pas les informations que les médias, bien entendu, et les francs-maçons appellent complotisme, qui sont en réalité des informations vraies, factuelles, indiscutables. Et bien entendu que le système, la franc-maçonnerie, les médias noient dans un amas de faux complots, de fake news qui sont fabriqués de manière industrielle par leurs différents services. Au final, pour éviter de reconnaître les vrais complots, le système passe son temps à se moquer des faux complots et des fake news qu'il a lui-même au travers de ses soldats. Ces soldats, que ce soit les différents véhicules de rumeurs que vous recevez tous les jours sur vos messengers et ailleurs, mais aussi les faux chercheurs de vérité qui vous font de belles vidéos ou de beaux lives pour vous endormir. Et aussi, vous avez, grâce aux gilets jaunes, ouvert les yeux sur sur ce que je suis en train de vous dire au travers des gilets jaunes médiatisés qui vont vous faire des lives et des lives, des vidéos et des vidéos, des manifestations et des manifestations, des passages télé et des passages télé, pour au final vous donner du vide et vous embarquer sur les faux sujets et les fausses revendications créées par la franc-maçonnerie et qui sont donc porté de tous les temps par les différentes oppositions politiques pour faire vivre cette illusion de débat, cette illusion de dénonciation, ces faux sujets qui sont portés par les merdias, y compris ceux dans lesquels vous avez confiance,
comme Merdiapart, Le Canard Enchaîné, Sud Radio. Ils sont faits uniquement pour vous endormir. Et donc aujourd'hui, on a une forme nouvelle, c'est le fait que les réseaux sociaux travaillent comme les médias pour vous endormir. Et donc les gilets jaunes médiatisés, qui soi-disant vous entriaient de belles vraies informations et de beaux vrais scandales, ne font que vous endormir. Voilà pourquoi je déprime ce soir. C'est parce que les personnes les plus éveillées d'entre vous auront remarqué que Macron, en fait, a continué à lire le prompteur maçonnique, à parler des mêmes sujets, qui on se demande pourquoi ils n'ont pas été traités depuis toutes ces décennies, à savoir la fausse défense des femmes, le fait de voir uniquement les familles monoparentales et parmi lesquelles celles où les femmes ont la garde des enfants et pas la garde alternée, pas la garde partagée, et encore plus loin, dans ces cas-là, les cas où les pères étranglés, ne voyant pas leurs enfants dans la plupart des cas, versent la pension de manière irrégulière ou incomplète ou pas du tout. Nous avons aussi vu plein de manipulations habituelles sur les retraités, concernant le travail, mais aussi des remerciements, alors que nous vivons une période sombre et qui ne date pas d'aujourd'hui, une période pendant laquelle les élites cachent leur appartenance à des groupes, à des sectes, à des loges, à des think tanks et même à des rituels pédophiles, des rituels sataniques. Et ces mêmes élites, à chaque fois qu'il y a une colère du peuple, et qu'ils voient que la révolte et la révolution est inévitable, recommence, comme à chaque fois dans l'histoire, à imposer leurs épouvantails comme des proxénètes, des vraies revendications du peuple, et comme des faux leaders du peuple. Ces mêmes élites, elles vont encore plus loin. Elles envoient leurs enfants initiés, qui n'ont rien à voir avec la souffrance du peuple. Il les envoie sous différentes formes. Soit par exemple pour manipuler, comme vous voyez des cas comme Juan Branco. Ou alors pour casser, grimer, cacher, peu importe la forme sous laquelle il se cache. Le fait est, et ça c'est un fait que personne ne peut nier, c'est que notre pays est capable d'aller
débusquer des personnes au fin fond du monde, mais est incapable d'arrêter quelques petites centaines de voyous qui, depuis des décennies, à chaque fois qu'il y a un mouvement social ou une manifestation reflétant la colère du peuple, cette petite centaine d'individus masqués débarquent et se mettent à tout casser. Ce qui permet au système de salir le mouvement et de décrédibiliser les causes. Et mes amis, j'attire aussi votre attention sur tout le monde, y compris les street medics, les white helmets. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, parmi eux, il y a certainement des idiots utiles, mais aussi tous ces reporters que vous voyez fleurir d'un peu partout, ces journalistes dits indépendants. Alors là, c'est pareil, parmi eux, il doit y avoir une infime minorité de personnes sincères et donc d'idiots utiles, mais le reste, mes chers amis, orchestre pour le système. Y compris et particulièrement ceux qui, comme Éric Drouet ou d'autres, vous allez voir périodiquement avoir des ennuis policiers et judiciaires, des gardes à vue, etc. Et là, vous avez compris que je parle de beaucoup de personnes, et en particulier d'une personne qui a acquis votre confiance, qui est donc Gaspard Glance, de Taranis News. Voilà une personne qui, comme d'autres personnes, Finkielkraut, Étienne Chouard, des épisodes comme les épisodes passés, la voiture de police caillassée, voilà une répétition de Nuit debout. Eh oui, Étienne Chouard était là avec ses brillantes idées. Il a disparu ensuite. Finkielkraut nous a déjà fait le même coup. La voiture de police a été déjà caillassée. Je vous ai fourni l'épreuve des deux orchestrations des voitures de police, mais aussi Gaspard Glance et d'autres ont déjà été arrêtés. Et même, on a vécu un espèce de long feuilleton de ce même Gaspard qui tweetait depuis le fourgon de police pendant qu'il a été baladé dans tout Paris pour nous crier son désespoir et sa déshydratation. Donc voilà les bases de cette manipulation totale, cette illusion complète dans laquelle on nous fait vivre, et pas que d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, depuis au moins la Révolution française, et depuis que, injustement, parce que on pouvait trouver une autre condamnation plus juste, injustement, on a condamné à mort Louis XVI. Les amis, ce que je vais faire, parce que les lives à rallonge, non seulement c'est épuisant pour moi, mais en plus,
pour ce qu'on vous laisse de cerveau disponible, en plus, avec tous les lives, toutes les vidéos. Aujourd'hui, il y a une multitude de canaux et de chaînes sur toutes les box à la maison, chaîne télé. Vous y ajoutez la panoplie de réseaux sociaux qui existent et dont chaque réseau social, la panoplie d'articles, d'informations et de vidéos et de lives qui aujourd'hui nous inondent, alors il devient extrêmement difficile pour n'importe qui, y compris pour votre serviteur, mais là je pense à vous, parce que moi pour l'instant, je ne travaille pas. Donc je pense à vous, les journées que vous menez, que j'ai déjà vécues, entre votre travail pour survivre, vos obligations familiales, si vous avez la chance d'avoir vos enfants, les différentes charges, et puis à la fin, ce qui vous reste de temps pour suivre l'actualité, pour vous informer, pour vous éveiller, il ne doit pas vous en rester beaucoup de temps. Et donc, je vais enregistrer quotidiennement, comme d'habitude, le travail que j'aurai décidé de vous fournir pour ensuite le compacter comme je faisais avant, mais pas de manière quotidienne. Là, je le ferai, je l'espère, j'espère y arriver de manière quotidienne. Je vais vous compacter ce travail, donc il va y avoir de la découpe, pour ensuite vous le délivrer le soir, j'espère à heure fixe, mais en différé. Bien entendu, beaucoup de personnes font ça, y compris les médias officiels. Beaucoup de choses sont enregistrées et on vous les diffuse comme étant du direct. Alors, à chaque fois, j'ouvrirai donc le live en direct. Je vous donnerai des preuves et des indices que je suis bien en direct, parce que vous le savez, ça me rassure et ça permet d'éviter que je sois oublié si jamais il m'arrivait quelque chose, comme ça m'est déjà arrivé par le passé et comme certains d'entre vous ont fait en sorte que je sois libéré. Aujourd'hui, il y a plein de dissidents dont nous n'avons pas de nouvelles. Et là, je pense à LHDSR, cette personne ô combien importante qui avait fait Apprenez à voir, qui avait fait L'heure de se réveiller, ne pas confondre parce qu'il y a un autre L'heure de se réveiller. Je parle bien de Apprenez à voir, LHDSR, que je vous diffuse régulièrement concernant JFK, Kennedy, le MK Ultra, etc. Eh bien, pas de nouvelles depuis 4 mois. Alors que nous savons son implication, jamais il n'aurait pu rester à ce point silencieux. Donc, j'ouvrirai avec un vrai live. Je vous donnerai des indices que c'est bien le bon jour, la bonne date et la bonne heure, qu'on ne puisse pas un jour essayer de me dupliquer. Et ensuite, dans la foulée, je balancerai le travail que je vous aurai préparé, ce qui fera, je l'espère, des vidéos extrêmement courte et extrêmement compactée. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde. Et effectivement, après, on conviendra d'un rendez-vous hebdomadaire ou tous les 15 jours, ou peut-être une fois par mois, on verra.
pourquoi pas hebdomadaire, pour faire un live comme d'habitude. Et là, voilà, je ferai une interaction totale avec vous, c'est-à-dire on fera, au travers de vos commentaires, je réagirai, je chercherai les informations lorsque il y en aura besoin en direct devant vous, et on essaiera de se faire comme ça une petite heure ou 2 heures s'il le faut. Voilà les amis. Pour le reste, ma chaîne continuera comme elle a toujours été à être une chaîne gratuite et je ne gagnerai pas un euro là-dessus comme je n'ai jamais gagné. Bien au contraire, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je m'étais présenté aux législatives, comme vous le savez. Alors j'ai fait des tentatives pour vendre des planches sans demander un prix fixe. Pour l'instant, aucune n'a été vendue, malgré que j'ai eu plusieurs contacts. Certains de ces contacts, malheureusement, au final, en ont profité pour m'inonder des mêmes vidéos et des mêmes manipulations que je reçois. Mais voilà, je ne m'arrête pas là-dessus, je continuerai. En revanche, j'ai trouvé une idée qui me semble juste et que je vais vous soumettre. C'est-à-dire que je vais créer une deuxième ou peut-être même une troisième chaîne sur YouTube parce que, à ma connaissance, YouTube est le seul qui paye au travers de la publicité. Il y a aussi, je crois, Instagram, mais Instagram, c'est plus les photos. Et comme j'ai la possibilité, vous le voyez tous les soirs, d'envoyer mes lives en même temps sur plusieurs réseaux et même des fois de dupliquer sur le même réseau, eh bien j'ai trouvé l'idée qui fait un bon compromis, je pense. C'est garder donc le bénévolat, la gratuité sur cette chaîne que vous connaissez depuis toujours, Medimnawar, mais la vidéo, le live cloné sur donc la chaîne nouvelle que je créerai, ou les deux chaînes, allez savoir. Peut-être même je ferai 5 chaînes s'il le faut. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de dupliquer. C'est parce que si vous voulez m'aider, eh bien ça vous coûtera rien du coup. Vous regardez mon live gratuitement sans être emmerdé par les publicités. J'espère le faire le plus court possible. Et si jamais vous êtes convaincu de mon travail, si jamais vous souhaitez me soutenir parce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, si jamais au-delà de tout ceci, vous souhaitez me soutenir par un moyen ou par un autre, eh bien, je mettrai à chaque fois en dessous donc du live gratuit les liens où il y aura le même live, mais à ce moment-là, avec la publicité, donc monétisé chez YouTube. Alors, j'ai réfléchi à la meilleure façon de faire, c'est vous regardez le live gratuit tranquillement sans publicité, et ensuite vous cliquez donc sur le lien en bas, et dès que le live payant avec les publicités sera lancé, il ne vous en coûtera que de prendre votre téléphone, d'accord? Vous coupez pas depuis la vidéo YouTube parce qu'ils le verront. Mais là, vous coupez à partir du bouton sur le côté, vous savez. Lorsque vous cliquez comme ça, vous avez le volume. Enfin, vous coupez le volume du téléphone, mais pas le volume de la vidéo parce qu'ils le voient ça. Vous coupez le volume du téléphone,
Vous le posez, la vidéo tournera seule, elle se terminera et ça fera quelques centimes pour votre serviteur. Et si cumulé, enfin, c'est le principe, hein, plus il y a de vues et plus il y aura de centimes et plus ça deviendra des euros, des dizaines d'euros, peut-être même des centaines d'euros. Voilà mon idée que je pense être un très bon compromis. Pour le reste, donc, par rapport au discours de Macron, je pense que la meilleure des choses, c'est que je vous fasse un travail de montage propre, parce que Macron, ce qu'il a fait ce soir, c'est une répétition de ses deux discours précédents, celui de fin d'année et celui suite à l'acte 9, il me semble. C'est la même répétition, c'est-à-dire qu'il va construire, il va bâtir avec nous. Et là, la même chose s'est produite avec la cathédrale Notre-Dame. Il va construire, il va bâtir. Les mêmes reproches et les mêmes manipulations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport aux femmes, par rapport à l'obscurantisme, faudrait vraiment éclaircir ce sujet définitivement sur quelle est la tendance obscurantiste, quelle est la secte obscurantiste, quelle est la religion qui ne dit pas son nom obscurantiste, et qui ces gens-là, les francs-maçons, visent en réalité lorsqu'ils parlent d'obscurantisme. Il va falloir éclaircir une bonne fois pour toutes ce sujet, et c'est pourquoi, les amis, il va falloir que je fasse un travail, encore une fois, court, condensé, compacté, monté, pour donc éveiller le maximum d'entre vous. Les personnes éveillées savent très bien de quoi je parle. Les personnes en voie d'éveil et les personnes pas du tout éveillées bénéficieront, comme toujours, de mon travail bénévole, qui peut-être, à côté du fait qu'il restera bénévole, rapportera votre soutien. Alors, ma journée d'aujourd'hui, j'ai eu encore la preuve que je pense que je ne pourrai jamais revenir dans, on va dire, la vie de l'esclavagisme salarial. Déjà, j'attends toujours donc l'issue de mes prud'hommes pour pouvoir rembourser mes dettes, mais bon, la RATP qui m'a licencié injustement alors que j'avais le régime spécial, hein. On se moque de vous en vous parlant de régime spécial, il n'y a plus personne qui l'a. Et on se demande pourquoi personne ne parle jamais des régimes spéciaux, des politiques, des députés, des présidents de la République, des ministres, des ex-ministres, des hauts fonctionnaires, des préfets, des sous-préfets, large panoplie, hein. Mais bon, donc voilà, j'espère arriver un jour à vivre de ce que je fais. En attendant, j'ai refait aujourd'hui une tentative de recherche d'emploi et vous allez voir comment ça s'est terminé. Donc j'ai été à travers de la MPE, je ne suis pas le seul, j'ai été contacté. Il y a AXA qui lance une campagne de recrutement. Et donc dans un premier temps, ils nous ont envoyé des mails pour nous convier pour le 24 avril, donc hier, à Saint-Germain-en-Laye, pour ensuite annuler cette date. Et sous prétexte qu'ils ont trop d'affluence, ils ont demandé d'abord d'avoir les CV, ce qui au départ n'était pas prévu. C'est des réunions
d'information générale et auxquelles doivent être conviés tous les demandeurs d'emploi inscrits à la MPE, parce qu'ils sont passés par la MPE. Non, alors là, ils ont chanté quelque part la MPE, ils ont changé du coup la date, et ils ont demandé des CV à l'avance. Donc j'ai envoyé mon CV, comme d'autres personnes, et ils ont dit, donc ils ont donné l'information comme quoi, du coup, ça se produira aujourd'hui, le jeudi 25, au lieu du 24, et ça ne sera plus à Saint-Germain, mais à Nanterre. Et à Nanterre, il y a différentes AXA, c'est un labyrinthe, c'est des terrasses 1, terrasses 2, terrasses 3, c'est un labyrinthe. Quand je me suis présenté au premier AXA, même eux-mêmes ne savaient pas où était l'AXA Terrasse 5. Bref, sans m'apitoyer encore une fois sur mon sort, j'aurais dû sortir 5 heures à l'avance de chez moi, peut-être 4 heures s'il le faut. Je suis parti de Normandie. J'en ai eu pour 3 heures de route, les amis. L'aller, hein, l'aller, et 3 heures le retour. Bon. Eh bien, je suis arrivé. Le rendez-vous, c'était à 14 heures. Le temps de me battre pour garer la voiture, de trouver cette foutue terrasse. Je suis arrivé à 14h10. Et déjà, quand j'étais arrivé à 14h10, dans le hall, il y avait un groupe d'à peu près 6-7 personnes déjà qu'on ne laissait plus entrer et qui essayaient tant bien que mal de se faire entendre et au final, désespérés, ils ont juste demandé un papier pour justifier à la MPE pour ne pas être radiés que malgré tout, ils étaient là avec 5 minutes de retard. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Moi, je suis arrivé à 14h10, donc j'ai pris les événements en cours et j'ai enregistré. Vous allez voir à peu près, je n'ai pas pu enregistrer mieux ce qui s'est passé. Et puis ensuite, bon, bah, j'ai lâché la moitié d'un plein, j'ai refait 3 heures dans l'autre sens. En plus de cela, dans leur mail, ils écrivaient bien plan en pièce jointe. D'accord? Plan en pièce jointe. Il n'y avait pas de pièce jointe. J'ai renvoyé un mail. Je leur ai expliqué, avec tant d'autres choses que j'ai essayé de leur expliquer, ils ont reconnu une personne vraiment de valeur qui a reconnu. D'accord, nous avons fait cette erreur. D'accord, il n'y avait pas le plan. D'accord, on a changé la date. D'accord, on a changé le lieu, etc. Mais la salle est pleine et on ne peut pas geler la réunion, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Alors, ils ont pris, à mon avis, premier arrivé, premier servi. Ils nous ont parlé de 300 personnes qu'ils avaient dans la salle. Moi, je n'ai pas pu vérifier. Alors, imaginez si ils avaient que 300 places. Ils ont donné donc des rendez-vous plus qu'il n'en faut, et du coup, à la fin, ce qui s'est passé, c'est comme vous savez, lorsque vous répondez à une annonce de location, si vous avez jamais fait l'expérience, par exemple, d'une location intéressante sur Paris, eh bien, si le rendez-vous est à 10 heures, c'est comme aussi pour certains que je vois à la télé pour chercher le dernier iPhone qui campe la veille. Ben là, c'est pareil pour les locations. Si le rendez-vous est donné à 10 heures, il y en a qui viennent faire la queue à 8 heures. Et si vous avez le malheur d'arriver à l'heure, ou même un quart d'heure avant même de trouver l'entrée de l'immeuble, vous voyez une queue dehors, sur le trottoir, et qui chemine dans les escaliers jusqu'à l'appartement. Les personnes qui ont déjà vécu ceci ou qui ont déjà cherché des locations sur Paris savent très bien de quoi je parle.
Bah là, c'était la même chose. Sauf que bon, c'est différent. Il y a un rendez-vous, c'est normalement sur invitation, on avait les invitations, etc. Ils ont fait fonctionner le même système. Le problème, c'est que il y a eu deux personnes vraiment bien, très bien même, à l'accueil. Bon, bah des gilets jaunes, des petits pions, qui n'ont posé aucun problème. Une personne vraiment aussi bien, même extra, et là, on peut le classer parmi les élites, hein, parce que c'est un, si j'ai bien compris, un conseiller, un assureur, peut-être un peu plus gradé, mais qui a été extrêmement bienveillant, et qui a fini par la fin, à la fin, par me donner ce que j'ai demandé, c'est-à-dire que j'ai rempli un papier et qu'il a signé, il a mis son nom. Mais il y avait des pions qui n'ont rien compris au système, qui n'ont rien compris à ce qui se passe actuellement, à la révolution, aux gilets jaunes. Qui ont juste retenu le mauvais côté des choses. Ils reproduisent ce qu'ils voient de mauvais, alors que le but, c'est de corriger le tir, c'est de faire le bien là où nous le voyons autour de nous, le mal partout. Donc, un responsable de sécurité qui répétait comme un robot, d'ailleurs je lui ai dit, mais vous n'êtes pas une machine, il l'a mal pris, et surtout une femme hystérique, donc qui voulait absolument entendre personne, donner un papier à personne, qui même lorsque ce monsieur s'est approché pour signer mon papier, elle a dit pas de tampon, pas de tampon, pas de tampon. Et qui a fini par appeler je ne sais quoi, moi, la sécurité. Et là, j'étais surpris de voir débarquer, il me semble, 4 ou 5 personnes habillées en pompiers. Alors, ça, c'est génial. Les entreprises, maintenant, on sait pas vraiment si c'est les pompiers qui viennent nous voir ou si c'est des vigiles, mais en tout cas, ils étaient venus pour me mettre dehors, habillés en rouge. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Cette confusion des genres, ces forces de l'ordre qui ne portent pas la tenue ou d'autres qui portent des tenues qui ne sont pas la leur, ces services de sécurité, ces services secrets, les services secrets, là je parle pas de ce cas précis, hein, je parle d'autre chose, ces services secrets français et d'ailleurs qui se présentent sous n'importe quelle forme, qui se permettent n'importe quelle orchestration, n'importe quelle enfreinte à la loi, y compris les meurtres, y compris de suicider des gens, parfois même leurs propres collègues. On a vu cet ancien agent des services secrets qui a été abattu sur un parking récemment. On voit tous les policiers, et il y en a tellement, qui sont suicidés depuis le début de l'année. Il me semble, si je ne me trompe pas, peut-être il y en a plus depuis, mais il me semble qu'on est à 25 depuis le début de l'année, ce qui est énorme. Et ce qui rend les choses encore plus faciles pour leur exécuteurs, c'est de les exécuter
mis à part peut-être un ou deux cas rares de vrai suicide, le reste, aucune enquête n'est possible parce que c'est toujours avec leur arme de service. Ce qui permet d'éviter de chercher à qui appartient l'arme, la balle, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, une création perverse de Groland, le gros, qui a, soi-disant pour se battre contre le terrorisme et soi-disant parce que les policiers ont peur, leur a donné leur arme, donc pour qu'ils puissent rentrer chez eux avec. Alors, imaginez un policier qui a fait le choix de ne jamais rentrer avec son arme, ça ne change rien. Parce que le jour où il est suicidé avec son arme à côté de chez lui, à côté de sa tête, à côté de lui, et qu'il est suicidé avec ses propres balles et sa propre arme, personne, absolument personne, ne pourra prouver que ce jour-là, il n'est pas rentré avec son arme à la maison. D'accord? En tout cas, il y a la main invisible, magique, de ceux qui ont tous les droits, qui, s'ils ont décidé donc de le suicider, qui modifiera et qui notera donc sur les papiers de sortie à la fin de leur service comme quoi il a pris son arme. Alors, je vais vous montrer. On va écouter la bande son de ce que j'ai enregistré aujourd'hui. Et ensuite, bon, bah, je vous montrerai, je me suis filmé dehors, hein. Comme ça vous voyez que j'étais bien avec, pas le gilet jaune, mais je me suis débrouillé pour mettre mon parka jaune. Je me suis présenté comme vous me verrez tout à l'heure sur la vidéo. Allez, on écoute. Alors désolé, hein, si le son est faible, la mauvaise qualité, mais je n'ai pas pu faire mieux. Mettez là en pause la réunion et faites-moi entrer. Et comme ça, j'ai dit à 300 personnes qui sont arrivées à l'heure. Je vais leur parler, vous inquiétez pas. Si votre problème, c'est les 300 personnes qui vont avoir, qui vont finir un quart d'heure plus tard, je m'en charge. Il y a des réunions derrière, monsieur. On ne peut pas décaler les réunions comme ça. Faites-nous entrer à la réunion après. On est prêt à. Il y a beaucoup de réunions derrière, en fait. On ne peut pas décaler les réunions comme ça. À la fin, on pourra entrer à une des réunions derrière. Mais non, ce ne sont pas les mêmes réunions. On peut s'arranger. Regardez, nous, on vous pardonne toutes les erreurs. Mais vous, arrangez-vous. Moi, vous n'avez rien à pardonner, monsieur. Je suis désolée. Là, on vous explique avec une heure. Mais vous parlez en votre nom. Oui, je parle en mon nom. Souvenez-vous, vous pardonnez. Moi, je vous explique, monsieur, c'est parler à quelqu'un qui parle en nom d'AXA. Mais AXA, vous êtes sur vous parlez en votre nom. Nous, vous avez une heure de rentrer. On a une pièce d'identité. En tant que la responsable des accueils. Vous parlez tout seul, en fait. Vous ne répondez pas à ce que je vous dis. Écoutez, monsieur, on va s'arrêter là et là, on va rappeler à la suite. Ça se finit comme ça, on va faire. Appelez qui vous voulez. Très bien. On va demander à la suite. Non, mais attendez, arrêtez votre numéro. Je demande depuis tout à l'heure. Arrêtez votre numéro. Pardon? Arrêtez votre numéro. Après, pour le retard, je suis 100% d'apparence. Il y a une réunion, je vais revenir à l'heure. Vous faites des réunions depuis le temps et vous permettez, monsieur, de. Vous avez dit on arrête là. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, on arrête là. Tout à l'heure, on vous dit. J'aimerais parler avec quelqu'un d'AXA. Vous me dites que c'est pas vous. C'est pas vous alors. Mais il fallait être là, non, monsieur. Vous m'avez dit, non, je ne vous parle plus. Pourquoi vous me parlez encore? Moi, j'aimerais parler à quelqu'un d'AXA. Non, c'est une Quand Pôle emploi vous envoie des participations aux réunions d'information, vous êtes dans l'obligation d'y assister. Et si vous y assistez pas, vous allez voir, parce qu'en fait, normalement, vous pointez. Mais sinon, il y a un paquet de logements. Et s'il y a un paquet, comme ça, c'est mieux avec normalement, c'est pas n'importe qui est rentré. Et puis, si, effectivement, on est, ça fait partie.
Donc là, vous entendez la jeune femme qui voulait son papier pour la NPE, qui finalement n'a rien obtenu, hein. Et moi, je me suis mis sur le côté, sur le comptoir, j'écrivais le papier pour qu'il soit signé par donc cette personne bienveillante qui m'a dit, OK, bon bah, je te signerai un papier. Et donc cette hystérique est partie appeler cette sécurité habillée en pompier. Sécurité civile ou je ne sais quoi, ils étaient habillés en rouge. Sécurité incendie des entreprises. À 200%, comme sur le fait que quand on a faim, j'ai le droit de refuser l'entrée. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi, ma conseillère, elle exige des justifications. Elle dit si tu viens pas donner l'information, ben, si tu viens de voir, je te donne un justificatif. Oui, c'est déjà parce qu'on a remis d'autres sessions. Non, mais non, non. Non, moi, je vais me dire l'expression. C'est 9 ans et demi à 200%, je connais. Alors, pourquoi est-ce que vous avez parce que pour l'entrée, c'est obligé de venir. C'est pas l'entrée, c'est mon père. C'est une invitation, c'est pas une provocation, il n'y a aucune obligation. Non mais qu'est-ce que vous pouvez faire un papier, ça demande à rien pour elle, pour nous tous, comme quoi on est venu. Mettez ce que vous voulez, 14h15, mettez 14h15. Écrivez le papier, moi je le signe. Bon voilà, fais-lui un papier, il va te signer. Fais-lui un papier, il va te signer. Moi je suis un inspecteur commercial. Je vais envoyer un mail, on vous enverra une seconde d'abord. Merci. Bon, fais-lui un papier. Moi, je vais faire un papier. Non, mais s'il n'y a pas de chanson, c'est pas... Mais si, il va te le faire. C'est suffisant. C'est suffisant. En plus, monsieur nous dit qu'il n'y a même pas d'attestation présente. Donc, nous, la présence, c'est pour nous ici. Non, je sais. Mais dans ce papier-là, je suis sûr que c'est à moi. Oui, mais ça, pour la fois, c'est jamais ce papier-là. C'est pour nous. Le papier, même si vous êtes un papier, voilà. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est ma pièce d'identité. Vous pouvez mettre vos pièces, c'est juste mettez votre nom. C'est tout. Mettez votre nom. Non. Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. Donc là, assistant commercial, vous avez entendu. Il a accepté de faire ce que comme je voulais. J'ai dit bon courage aux deux filles à l'accueil, vraiment bienveillantes. Hein. Elles ne pouvaient pas faire grand-chose face à cette hystérique. J'ai serré la main à cet homme, à cet assistant commercial. Les autres, bon, ils ont obtenu aucun papier. Elles leur disaient « Envoyez un mail, envoyez un mail, envoyez un mail !» Et moi, quand je voulais donc faire signer le papier, elle est venue à côté en disant « Pas de tampon, pas de tampon !» Et voilà. Là, une fois que j'ai eu mon papier, je me retourne, il y avait les gaillards. Bonjour, madame. Vous avez fait comment, elle? Parce que franchement, le comportement, c'est inadmissible.
Ah, mais ton comportement à toi, il est génial. Oui, mais alors, vous ne croyez pas, des gens. Vous ne croyez pas, vous arrivez bon en retard. Bon, bon courage, monsieur. Merci beaucoup, bon courage. À la prochaine. Moi, je n'ai pas besoin de cette façon. Non, pas l'emploi. Merci, monsieur. J'ai pris quand même. Merci, monsieur. Réduque-toi. Tu es mal poli. Tu es mal poli. Tu es mal poli. Tu es mal poli. Et tu prends les gens de haut. Tu vas voir, les gilets jaunes sont là, non? Merci. Tu vas voir. Et merci de me remercier. Merci, monsieur. Vous êtes trop gentil de me remercier. Les gilets jaunes sont là. Tout est enregistré. Voilà, et puis les pions vigiles habillés en pompiers, merci monsieur, merci monsieur. J'ai dit merci de me remercier. Ils ne savent pas faire autre chose. C'est des machines, je vous dis. Je vous jure, ils ont fabriqué des machines. Même des gens qui sont encore plus, qui devraient être encore plus gilets jaunes que moi, c'est des robots. Ils ne savent plus réfléchir à savoir est-ce que je suis là dans mon droit ou est-ce que ils doivent soutenir coûte que coûte cette absurde collaboratrice qui n'a servi juste qu'à dire à tout le monde que rien n'est possible et qu'ils n'ont fait aucune faute, etc. Alors, est-ce que on s'arrête là? Ah bah tiens, je ne sais pas si vous avez vu Macron qui s'est fait arnaquer par deux spécialistes des canulars téléphoniques russes. Bah, au cas où vous ne l'aurez pas vu, comme ça, je vous aurais passé quand même quelque chose ce soir aussi. Donc, deux spécialistes des canulars téléphoniques ont mis en ligne l'enregistrement d'une conversation avec un homme qu'ils présentent comme étant Emmanuel Macron. Je vous laisse juge, mais pour moi, allez, à 80... Allez, on va dire à plus de 95%, c'est Macron. Et donc, ils l'ont arnaqué parce que... ils lui ont fait croire... donc ils se sont fait passer pour le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'accord, qui a gagné donc contre Petro Porochenko dimanche. Et donc Macron a marché vraiment dedans. Donc l'appel, déjà l'appel vient de l'Élysée. Les deux humoristes ont bien entendu réussi avec plein d'autres personnes importantes. Donc je cherchais quelle est la première personne parce que vous entendrez, il y a donc une traductrice qui traduit pour Macron et au début donc il y a quelqu'un qui appelle de l'Élysée pour les contacter. Allez, on va écouter, on va regarder aussi parce que c'est traduit. En espérant qu'ils l'ont pas protégé avec des droits d'auteur, que ça flingue pas ma vidéo. Voilà, je vous montre leur chaîne quand même. Peut-être qu'ils hésiteront avant de flinguer ma vidéo. Donc voilà la vidéo. Voilà leur chaîne, prank avec Macron, 186 000 vues, la chaîne donc c'est Vovan222 prank, j'ai mis un pouce, c'est tout à fait normal, et là on va regarder la vidéo.
Hello? Господин президент Зеленский? Да, это помощник. Даю трубочку. Секунду. Алло. Господин президент? Да. Я... Добрый день. Я соединяю с президентом Макрон. Отлично. Я на линии. Спасибо. Vous allez maintenant être placé dans la conférence. Il va à la conférence. Parfait, je passe le président également. Merci. Allô? 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 Bonjour, господин président. Hello, Vladimir. Hello, Mr. President. Congratulations. Thank you very much. Thank you for your call. У вас есть переводчик? I'm assistant to the President Zelensky, and I will be a translator. Or do you have any Russian translator? If you have, so I can. I will. Есть переводчик. Я слышу вас. Отлично. Okay. Давайте тогда с вами. Je confirme que la présidente. Je voulais t'appeler pour souhaiter toutes mes félicitations et te dire combien on était content pour toi et pour l'Ukraine. Я звоню тебе, чтобы сказать, что искренне рад твоей победе и как мы все очень рады за Украину и за тебя лично. Спасибо, господин президент, и спасибо, что позвонили. Вы позвонили мне первым из мировых лидеров, и еще большое спасибо за ту прошлую нашу встречу в Париже. Это была большая честь для меня, и сейчас меня действительно переполняют эмоции, потому что это просто потрясающая поддержка, 73% украинцев, это просто невозможно. Merci beaucoup, monsieur le président, de me rappeler. Vous êtes le premier des leaders internationaux qui m'appelle et ça m'émeut beaucoup. Je voulais également remercier pour notre rencontre à Paris. Je suis à ce moment remplie d'émotions. 73% des Ukrainiens m'ont exprimé leur soutien et je suis très, très émue. Ah, je le comprends, président, et c'est un moment dont il faut profiter, qu'il faut goûter en famille, avec les amis et dès demain, la responsabilité vous tombera sur les épaules avec énormément de choses à faire. Donc profitez de ces moments. Вы должны насладиться этим моментом в кругу семьи, с друзьями и пережить полноценно этот момент, потому что уже с завтрашнего дня на ваши плечи ляжет груз ответственности, и это очень важный момент. Воспользуйтесь им. Mais la force de votre score et montre la confiance que les Ukrainiens ont en vous et l'attente aussi qu'il y a en vous. Et je veux vraiment, moi, vous dire que suite à notre discussion, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption ou de la relance des accords de Minsk, j'étais très heureux de vous entendre. Et je vous dis, essentiellement, comme vous l'avez compris, que je ferai absolument tout ce que je peux pour que vous réussissiez sur le sujet, lutte contre corruption et accords de Minsk. Я понимаю, что 73% это означает, что очень многие украинцы вам выразили свое доверие, и это как очень важно было для них. И в отношении того, о чем мы говорили с вами, о борьбе с коррупцией, о Минском формате, я еще раз уверяю вас, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате, и в борьбе с коррупцией. Большое спасибо вам за вашу поддержку, и 73%, я чувствую себя просто как Владимир Путин, у него такие же результаты. Merci beaucoup pour votre soutien, monsieur le président. Et avec les 73%, je me sens un petit peu comme Poutine, qui a le même score à peu près. Oui, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à ce stade, le système chez toi est un peu moins bien organisé, donc ça doit être un peu plus naturel. Но так как мне это видится, в своей стране система по-другому работает, поэтому это более естественно выглядит. Вы абсолютно правы. Tu n'avais pas encore mis tous tes opposants en prison. И пока что ты еще всех своих оппонентов не посадил в тюрьму. На самом деле, с учетом того, какую информацию получили наши СМИ про господина Порошенко, я уже сомневаюсь, что ему в ближайшее время не... Et là, les amis, ça c'est fort, c'est ce qui prouve, hein, c'est ce qui prouve que mon intuition
a toujours été la bonne, c'est que Macron est très désinformé. Il est persuadé que Poutine, s'il jouit d'une telle popularité et s'il gagne avec des scores aussi élevés à chaque élection, c'est parce que il a mis tous ses opposants en prison. Lui qui a fait 24%, Macron, il pense que les autres, lorsqu'ils arrivent à faire plus de 70% de votes favorables, c'est uniquement parce qu'ils ont tué, emprisonné tous leurs opposants. Il ne faut pas qu'il soit persuadé de ça, parce qu'il est en train de faire la même chose avec nous en France. Hein. Il ne faut pas qu'il pense que c'est ce qui le fera triompher. Hein. Не оказаться на скамье подсудимых. Но это будет решать суд, естественно. Maintenant, les médias ont beaucoup fait d'enquêtes sur le président Poroshenko, le président actuel, et ça, j'ai beaucoup de doutes que prochainement il ne se retrouve également au tribunal, sur le banc de la justice. Mais c'est le juge, c'est la justice qui décidera. Oui, en tout cas, de ce que j'ai vu, il a reconnu ta victoire dès ce soir, et c'est une bonne chose. Ça permet aux institutions de poursuivre et à toi d'agir dans les meilleures conditions et au plus vite. Но я слышал, что он уже признал твою победу, и таким образом институты передачи власти будут работать стабильно, и, так сказать, это поможет тебе скорее приступить к полномочиям. Да, я надеюсь, что все произойдет мирно, и господин Порошенко все сделает правильно, согласно закону, но я бы попросил Францию, если решение суда все-таки будет, и действительно господин Порошенко окажется виновным в коррупционных преступлениях, и если он вдруг спрячется, улетит во Францию, было бы замечательно, если бы Франция его выдала, если, конечно же, будет вступившее в силу решение суда. Mais j'espère que tout ce transfert de pouvoir, la transition sera le plus paisible. Et concernant les futures enquêtes de justice, si réellement il est condamné, le président Poroshenko, pour le fait de corruption, j'espère que s'il suit en France, s'il s'exile en France, il y aura un mandat d'extradition. Pour qu'il ne puisse pas fuir la justice. Ne t'en fais pas, je ne pense pas que ce soit en France qu'il vienne en première intention. Я не думаю, что он первая страна, куда он бы поехал, это была бы Франция. Не займусь. Отлично. Но, господин... On fera tout ça pour que vous ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, vraiment, vous le dites, хотелось бы, чтобы наши команды поскорее связались с министром иностранных дел, как только он будет назначен, чтобы мы смогли наметить все, что мы можем, так сказать, продвигаться на ближайшей перспективе. Я бы хотел, когда официально пройду процедуру инаугурации, я бы хотел свой первый международный визит совершить во Францию и встретиться с вами. И я бы хотел уделить времени как раз основной цели тех 5 лет будущих. Я хочу в ближайшее время закончить войну на Востоке, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. Je souhaiterais, une fois que j'ai pris officiellement les fonctions après mon inauguration, que ma première visite officielle ce soit en France. J'y tiens beaucoup. Et pour ce qui est mes priorités, mes premiers pas, ce serait évidemment la priorité d'arrêter la guerre à l'est de l'Ukraine. Et pour que les Ukrainiens arrêtent de tomber victimes de cette guerre. Excellent. Moi, je ferai tout pour t'aider en ce sens. Et comme je te l'ai dit, sur la base des accords de Minsk, vraiment, j'y mettrai tout mon poids et toute ma force. Donc, dis-moi quand tu es prêt. Et tu es le bienvenu quand tu veux à Paris. Donc, tu me fais savoir
Dès que tu peux, on organisera des choses. Je pense qu'il y a un momentum avec ton élection et on peut faire bouger beaucoup de choses, y compris avec la Russie. Donc, je serai très faire ensemble pour contrarier le. Я прекрасно, прекрасно, и как я тебе уже обещал, я все свое влияние в рамках Минского формата использую для того, чтобы помочь тебе в этом. И как мы говорили, проговаривали уже сейчас, для этого есть момент, специальный такой момент возможности, и мы должны, так сказать, использовать его в рамках Нормандского формата. Так что когда ты будешь готов, скажи, как только ты будешь готов к приезду в Париж, и мы все это сможем обсудить. Отлично. И я уверен, что нам необходимо пойти на диалог с Россией. И, к сожалению, все-таки правда, что господин Порошенко, он отказывался выполнять некоторые положения минских договоренностей. Но я считаю, что нам нужен компромисс. Прежняя политика была неэффективна, и она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы. En fait, je suis sûre que le dialogue avec la Russie sera nécessaire. La politique de Poroshenko s'est révélée inefficace. Et il est vrai que l'Ukraine n'a pas respecté certaines dispositions des accords de Minsk. Donc, il faut qu'on puisse reconsidérer de sorte à agir de manière plus efficace. Et la politique de Poroshenko a également semé la discorde au sein de la société ukrainienne avec cette position telle qu'elle était la position de Poroshenko. Je crois très sincèrement en effet qu'il y a énormément de choses à se faire et tu as raison de les prendre comme ça. Et donc je suis 100% d'accord avec toi pour aller en ce sens. Donc tu peux compter sur ma détermination pour agir sur ce chemin, cher Volodymyr. Vraiment. Я считаю, что ты на 100% прав, и ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому ты можешь, дорогой Владимир, рассчитывать на мою поддержку. Спасибо большое. И я хочу, чтобы и Украина, и Франция, и Германия, и Россия, мы сотрудничали вместе, как в старые времена. Времена до кризиса, чтобы в Европе сохранилась стабильность и процветание, потому что все-таки у нас главный враг, как я считаю. В Украине многие, конечно, могут не разделять мою позицию, но я считаю, что все-таки главный враг у нас не Россия, главный враг – это мировой терроризм, что сегодня как раз и мы заметили в очередной раз. Et je souhaite sincèrement à ce que l'Ukraine, la France, l'Allemagne et aussi la Russie puissent revenir à l'état d'avant-guerre, d'avant 2014, pour qu'on puisse de nouveau travailler ensemble pour la stabilité et prospérité en Europe et dans le monde. Parce qu'on voit bien que l'ennemi, qui est le principal ennemi de la communauté internationale, c'est le terrorisme qui s'est révélé aujourd'hui encore, qui s'est rappelé. C'est ça notre ennemi. Totalement. Donc, dès que tu es prêt, dès que tu veux, on s'appelle pour en parler. Tu es prêt, ils vont remonter le plus conclusif possible en format Normandie à 4, les 4 pays que tu as cités. Moi, je suis prêt à l'accueillir dès que tu es prêt, comme je te l'avais dit. En tout cas, encore toutes mes félicitations, cher Volodymyr, et je te laisse pouvoir profiter de ce succès. Je suis vraiment très heureux d'être le premier à te féliciter. Je le fais avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de joie. Я хотел бы еще раз напомнить, что как только ты будешь готов, я готова в Париже организовать встречи нормандского формата и как бы для того, чтобы все это обсудить. А сейчас я очень рад, что я был первым, кто тебя поздравил, и хотел бы, чтобы ты мог отпраздновать победу и воспользоваться этим моментом. А я очень, мне очень приятно, и я чувствую огромный энтузиазм в связи с твоей победой. Спасибо большое. Хочу сказать, что все-таки действительно для минского формата господин Порошенко был не очень хорошей фигурой, и я думаю, что он просто тянул заключение мирного договора и, наконец-то, завершение этого страшного конфликта.
Et encore une fois, je me peux réitérer que dans le cadre des accords de Minsk, Poroshenko n'était pas peut-être une figure juste. En tout cas, il n'a pas aidé à faire tout le nécessaire pour régler ce conflit au plus vite, ce terrible conflit. Je suis d'accord. Et donc, je compte beaucoup sur ton engagement pour ce faire. Я согласен и... Я согласен с тобой и надеюсь на тебя, что ты приложишь всех возможных усилий для того, чтобы так и сделать это. Желаю тебе прекрасного воскресенья и прекрасно отпраздновать победу. Вам тоже чудесной Пасхи. И я пойду пить шампанское. Надеюсь, что я сегодня не буду таким пьяным, как мистер Порошенко обычно бывает. Je souhaite également joyeuse Pâques à vous, Président, et j'espère que le champagne que je boirai aujourd'hui sera savoureux et que je ne serai pas ivre, comme souvent à ces occasions, Monsieur Porochenko. Bonne Pâques à toi aussi, et vraiment, toutes mes félicitations, amitié. Я тебе еще так же поздравляю с наступающей Пасхой и всего хорошего. Вас еще раз поздравляю. Merci beaucoup. Vive la France. Merci, Volodymyr. Спасибо. Bye-bye. Thank you very much for this conversation. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Macron, il était très enthousiaste au début. Et dès qu'il a vu que ce faux, donc, comment il s'appelle le nouveau? Ah, j'ai perdu son nom. Dès que ce faux nouveau président, alors, je l'ai là, Volodymyr Zelensky, a commencé à cartonner donc Porochenko, le président, qui sont du même bord, hein. Dès qu'il a vu comment il le cartonnait, qu'il disait qu'il était nul, qu'il a tout niqué, et ben Macron a compris, et aussi que il disait je veux faire la paix avec la Russie, il faut qu'on s'entende ensemble, il faut qu'on fasse tous les accords, et les Russes, il faut qu'on arrive à s'arranger avec eux. Macron a tout de suite compris qu'il y avait une couille et il a changé. Il est devenu, il a pris un air grave. Oui, je suis d'accord. Il disait plus rien. Au début, il donnait beaucoup. Oh, on va se voir, on va fêter ça. Et après, il a compris qu'il y avait un problème. Bon, voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Autre chose. Lorsque vous l'avez remarqué, c'était hier, lorsque Éric Drouet a encore annoncé qu'il abandonnait. Hein, ce qui est, si c'était vrai, si seulement c'était vrai, ce serait une excellente bonne nouvelle qui contrebalancerait un peu le discours maçonnique que nous a servi encore Macron ce soir. Il faudrait juste, comme je l'ai dit hier, que Éric Drouet ne se fasse plus interpeller, plus menacer, qu'on n'entende plus parler de lui dans les médias pour qu'on puisse entendre parler d'autre chose. Bon, ben, ça sera d'autres fabrications maçonniques, mais au moins, Drouet, fais-toi, mais vraiment oublier, ne nous parle plus de ton petit cas. Et donc, ils ont appelé Jérôme Rodrigue, pour commenter. Hein. Alors lui, Jérôme Rodrigue, il a dit non, mais comme Fly Rider, pareil. Non, non, il abandonne pas. Il a le droit de se reposer. Et on n'a pas vu, j'adore, on n'a pas vu nos familles depuis 2 mois. C'est les mecs, ils sont dans les tranchées. Ils n'ont pas vu leur famille depuis des mois, et là, ils ont besoin de rentrer un peu, se reposer. Mais t'es chez toi, le gars. T'es chez toi, mon gars. Hein, t'es chez toi. T'es pas parti dans un autre pays. Il n'y a que Fly Rider qui va en Italie et ailleurs, et pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas chercher un emploi parce qu'il n'a pas de quoi mettre l'essence. Il n'y a que lui. Mais les autres, vous êtes restés chez vous. Alors là, ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai trouvé génial. Alors là, c'est ce que je vais vous montrer, ça date d'hier. C'est
donc l'intervention de Jérôme Rodrigue par téléphone, donc forcément il a fallu une photo d'illustration pour son intervention. Et allez savoir pourquoi BFM TV, malgré que ça remonte à des mois maintenant, lorsqu'il avait son œil bandé, et ben BFM TV a choisi cette photo-là plutôt qu'une photo récente, alors qu'on le voit partout avec ses lunettes et qu'il n'a plus ce pansement sur l'œil. Regardez. C'est génial. Alors, on va l'écouter vite fait, hein. Je ne vais pas vous faire tout parce que c'est saoulant. Que sur l'ensemble des figures médiatisées, nous subissons beaucoup de pression. On a énormément de coups de téléphone, il faut gérer énormément de choses qu'on n'était peut-être pas forcément programmé pour ça, mais bon, on accepte la responsabilité. De temps en temps, il est bon peut-être de se reposer, de prendre peut-être aussi des choses. Alors là, pour le coup, je confirme, il n'était absolument pas programmé pour ça. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Et même il y a des protagonistes que vous voyez, que vous avez vu débarquer par la suite et qui débarquent encore aujourd'hui dans le jeu, ce n'était pas du tout prévu. Hein, la franc-maçonnerie envoie des renforts encore et encore pour remplacer ceux qui n'arrivent plus à tenir et qu'on a démasqués. Les exemples sont nombreux. Hein. Jacqueline Moureau, on l'a démasqué. On a démasqué là pour le dernier Juan Branco, on a démasqué Eric Drouet, le Priscilla Ludowski, le Vavasseur n'a pas du tout tenu le début de la course. On en a démasqué un sacré paquet. Hein. Comment il s'appelait l'autre, l'Arménien, son nom m'échappe. Qui était dans les jeunes socialistes, on en a démasqué un bon paquet. Hein. Ramos, voilà. Donc là, il a raison de dire on n'avait pas prévu, on n'était pas programmé, il dit. C'est comme ça qu'il dit, on n'était pas... Peut-être de se reposer, de prendre peut-être aussi des choses pas trop à cœur et de retrouver... sa famille. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce mouvement. On en revient à la police où il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté du fait de ne pas voir leur mari policier, par exemple, ou de pouvoir rentrer à la maison. Il en va de même pour les jeunes. Ça éclate beaucoup de familles. Ça apporte beaucoup de choses aussi en termes familial. Donc je pense qu'il fait bon de temps en temps de pouvoir se retrouver un petit peu et de profiter de sa femme et de ses enfants. Et je pense que Eric a décidé de mettre cette pause dans ce sens-là, de pouvoir se ressourcer aussi un petit peu. Je pense que ceux qui vont vers la politique aujourd'hui, non. Ils étaient vraiment dans les tranchées, ces mecs-là. Non, j'aimerais revenir. Comment il a dit ça ? Médiatisé, nous subissons beaucoup de pression. On a énormément de coups de téléphone. Il faut gérer énormément de choses qu'on n'était peut-être pas forcément programmé pour ça, mais bon... Ouais, c'est ce que je pensais. On n'était pas forcément programmé pour ça. Eh ben, c'est sûr. Voilà. Là, regardez, c'est révélateur. Hein. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Hein. C'était pas leur contrat. Bon, alors, on n'était pas forcément programmé pour ça. Les amis, il y a tellement de choses que je voulais vous passer. On va s'arrêter là. Sinon, ce ne serait pas raisonnable. Allez, les quelques personnes que je vois, parce que... est-ce que ça démarre là? Alors, je vais démarrer ici. Tiens, bonsoir. Bonsoir Simon Boucher, YouTube, Dailymotion, Periscope. Oui, je diffuse actuellement, pas sur Dailymotion. Mais sur Periscope, YouTube, VK, Twitch, Facebook. Ah, il me semble que je les ai cités tous. Bonsoir Simon. Bonsoir Bilbil frérot. Bonsoir Gillian Copin. Bienvenue. Bonsoir José Duc. Bonsoir Marie Schmitt. Bienvenue. Bonsoir Franck Chase.
Oui, c'est des humoristes, absolument, qui ont piégé Macron. Bonsoir. Alors, je t'ai pas vu. Bonsoir, Jobson Joe. Bonsoir, Max Moondog. Franck Mac, Juan Branco. Et surtout, il faut se pencher sur son père, hein. Je ferai une partie 2 prochainement. Jobson, tu dis, il fait une pause, quel révolutionnaire, t'as raison. Et quand on sait que beaucoup l'ont suivi, c'était à l'abattoir, hein. C'était à l'abattoir. C'est un remake de ceux qui ont suivi Spartacus, Spartacus qui, je vous avais fait des émissions là-dessus, qui est issu à la base, qui est un militaire romain, qui ensuite, soi-disant, il a fait désertion et il a rejoint la dissidence, mais faut pas croire à ces conneries. Une fois qu'on a mis un pied là-dedans, c'est terminé. Nain Beka. Bonsoir et bienvenue. Juan, Juan, tu dis ami d'Atali, peut considérer, mais surtout que Atali fait partie des parrains de son association, de sa structure qu'il a créée. Il faut voir dans ce cas-là un travail qui a été fourni par Panamza, où on voit que l'un des donateurs, l'un des bienfaiteurs de cette association, de Juan Branco, entre autres, est Jacques Attali. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que la personnalité, le passé, la vie de son père Polo Branco se suffisent à eux-mêmes, hein, pour expliquer qu'il n'a pas tout dit, le Juanito. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous convient ce que je vous ai dit. Là, j'ai pas encore lancé. J'essaierai demain, donc si jamais je trouve le temps, je suis vraiment, vraiment, vraiment très étranglé dans ma propre vie. Mais si je trouve le temps que je crée les autres chaînes, parce que plus je crée de chaînes finalement, et plus vous pouvez dupliquer, c'est-à-dire si c'est la même vidéo, vous la lancez sur la première chaîne. Et je vous mets les deux trois liens, vous la lancez sur la deuxième chaîne et vous la lancez sur la troisième chaîne, bah ça fait, vu que encore une fois mon auditoire est limité, bah ça fait que si vous voulez me soutenir, on est très très peu, bah vous me soutenez trois fois. Je veux dire, je vois pas d'autre solution, hein, encore une fois. Voilà, moi je vous la propose, après vous n'êtes pas obligé. Vous regardez mon travail gratos. Si ça vous chante de me soutenir, vous cliquez sur la première, sur la deuxième, vous arrêtez, et si vous voulez, sur la troisième, et à chaque fois, vous coupez le son du téléphone, vous ne le coupez pas de YouTube. Normalement, ça devrait fonctionner, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, et puis, je pense que c'est le meilleur moyen. Les histoires de cagnotte, etc., je ne l'ai jamais fait et je pense que c'est une très très mauvaise idée. Les amis, demain, donc vendredi, mettez votre gilet jaune à 13h comme d'habitude et on se remotive pour ce samedi, acte 24, on sortira, on lui foutra la France en jaune. J'espère que j'ai pas vu d'acte machin là, ultimatum 3. J'espère que les gilets jaunes merdiatisés, Sophie Tissier, Ludowski et tous les autres n'ont pas fait de déclaration à la préfecture. Il y en a marre de leur putain de déclaration. On leur demande rien du tout. Personne ne doit déclarer rien du tout. On sort avec un gilet jaune et on vit normal. Comme ça, Macron et toute cette élite pédophile, satanique, toute la franc-maçonnerie voit que tous les samedis, ça n'a pas changé, ça ne changera pas, que tout le pays est jaune. Aujourd'hui, j'ai croisé plein de voitures, malheureusement,
pas tout le monde, mais plein de voitures, comme votre serviteur, avec le gilet jaune, sur la comment dire, sur le tableau de bord, bien visible du pare-brise, ça fait chaud au cœur. On a même envie de faire comme ça lorsqu'on croise quelqu'un. Ça fait chaud au cœur. Continuez. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Il faut ce samedi. Il n'y a qu'une réponse à lui donner à Macron pour nous avoir servi ce putain de discours maçonnique, le même, copié-collé des précédents, le même que celui de Hollande, le même que celui de Sarkozy, les mêmes blablabla, 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 blablabla. On nous dit, on vous a entendu, j'ai compris, etc. Et pas un mot sur la pédophilie, pas un mot sur les placements d'enfants, pas un mot sur les guerres, je vais dire. Il est aveugle, ce mec-là. Il est aveugle. Il y a des guerres partout, on en parle, de la franc-maçonnerie du matin au soir, c'est leur pion, ils disent pour l'un, j'en parlerai pas, me cassez pas les pieds, pour l'autre, il dit dans un live, hein, et quand il va sur les plateaux, il en parle pas, Flyrider, mais dans un live, il dit, alors, pourquoi tu parles pas de franc-maçonnerie? Ah oui, la franc-maçonnerie, c'est pas bien. Bon, voilà, j'en ai parlé, mais par contre, je laisse en parler aux autres. Mais non, mais c'est toi qui es médiatisé, mon gars. Qu'est-ce que tu nous laisses parler? C'est comme pour quand il a dit un mot sur la cathédrale. Ah, mais moi, on va pas y passer 3 heures non plus, mais je respecte ceux qui ont été secoués, alors je les laisse en parler. Mais c'est quoi cette comédie, mon gars? C'est quoi cette comédie? Ça t'a pas suffi, je t'ai déjà expliqué, t'es venu dans mon live, t'es venu et t'es parti, comme dit Chrysalide, t'es parti en pleurant. Je t'ai dit, arrête ta comédie. Alors rejoins ton pote Drouet et raccroche, tu pourras pas tenir longtemps comme ça. Nous, on est là. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont enfermés, etc. Mais tant que vous pouvez pas enfermer tous les éveillés, il y aura toujours quelqu'un, même si demain... Je ne serai plus là, t'inquiète pas, il y en a derrière, je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de vidéos, dès que j'ai fait une vidéo avec, je crois qu'on était les deux premiers avec Alexandre Le Breton sur Juan Branco, là il n'y a que des vidéos sur Juan Branco, et ça fait plaisir. Au début, lorsque j'ai osé parler de Jacqueline Moureau, tout le monde m'est tombé dessus, puis après ça a commencé progressivement. Ensuite, je vous dis même pas, vous l'avez vu, je pense que c'est enregistré, les lives, les attaques, lorsque j'ai osé m'en prendre à Flyrider, lorsque j'ai démontré l'orchestration de l'éborgnage, du faux éborgnage de Jérôme Rodrigue, alors là, c'était... le feu d'artifice, hein. Je me suis fait menacer dans tous les sens, je me suis fait appeler sur mon propre téléphone par mon propre numéro, en me disant c'est la DGSI, on va te faire ci, on va te faire ça. Aujourd'hui, c'est génial, c'est tout le monde fait la chasse aux manipulateurs et aux francs-maçons et à la franc-maçonnerie et aux faux dissidents, c'est génial, mais en même temps, en face, il y a les moyens, hein. C'est des gens qui ont nos limites, l'argent nos limites, le pouvoir nos limites, donc forcément, sur ce rapport-là, on sera toujours perdant. Mais nous avons le nombre, d'accord? Ils ont la technologie, l'argent, les armes, et nous avons le nombre. Donc aujourd'hui, il faut contrebalancer toutes ces fake news et tous ces comptes sur YouTube, sur Facebook, qui continuent malgré tout à vouloir dire « Alors voilà le RIC, pourquoi il est bien, voilà pourquoi Étienne Chouard est super bien, voilà pourquoi... » Mais arrêtez, ça marche pas. D'ailleurs, Macron a parlé du RIP, mais je vous ai dit depuis le début, beaucoup m'ont dit « Mais t'es fou, Macron !» Mais non, ils mettront jamais le RIC. Mais c'est programmé depuis le début qu'ils le sortent à la fin, le système n'en pourra plus, lorsque les élites et les francs-maçons vont sentir qu'ils vont se faire arrêter et tous se faire enfermer, mais ils donneront le RIC, ils tripleront le SMIC, ils offriront une bagnole à chacun électrique. Mais vous êtes fous, vous. Lorsque vous risquez de tout perdre, vous faire enfermer, vous,
et peut-être votre famille si c'est familial, mais vous claquez, vous offrez, vous faites des crédits s'il le faut pour sauver votre peau. Regardez, Carlos Ghosn, il a bien sorti 4 millions pour payer sa caution, pour avoir un petit peu de liberté. D'accord? Donc le RIC, c'est pas un tabou. Du matin au soir, d'ailleurs, les médias en parlent. Les vrais tabous, vous les savez. Hein, ils sont écrits en bas de chacune de mes publications. Je vous en ai cité quelques-uns. C'est l'école, comment on endoctrine nos enfants, les vaccins, les chemtrails, les guerres, la franc-maçonnerie qui traste tous les pouvoirs, la corruption, la pédophilie, la pédocriminalité des élites. Et encore, demander un revenu universel plutôt que Flyrider qui veut remplir juste son frigo. Mais le revenu universel, et si tu arrêtes la corruption, et si on sauve nos enfants, mon gars, mais c'est pas un frigo qu'on va remplir. On va remplir le frigo, la glacière, on va acheter des congélateurs et on va tout remplir. Si ton problème c'est juste toi manger, survivre, non. Il faut voir grand, il faut voir large, il faut voir bon. Bon dans le sens bonté, bonté de l'âme, hein, Flyrider. L'argent, c'est ne fait pas tout dans la vie. T'as pas compris ce qui s'est passé à la cathédrale. Là, c'est les valeurs qui ont été attaquées. Et tu nous dis du matin au soir que toi, ton problème, c'est pas les valeurs, c'est la thune. Jérôme dit la même chose. Tout le monde, vous dites tous la même chose, que la taxe, l'essence, le frigo, le reste, franc-maçonnerie, tout ça, non, 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 ça, je m'en fous. Mais non, on pense pas comme vous. Même si Macron, encore ce soir, il est quelle heure? Hier soir, il est 1h03. Même si Macron, hier soir, a fait les mêmes feintes, hein, les mêmes entourloupes que vous, c'est-à-dire qu'il a dit ok, alors je m'excuse encore, j'ai appris de nouveau et j'ai compris qu'au final, ce que vous voulez, c'est la taxe et que je m'occupe un peu plus de la pension non versée des femmes et que voilà. Et je vous invite à aller parler aux institutions, ils vous attendent et les élites. Faut pas, ils font du bon boulot, etc. Non. Enfin, moi, je ne suis pas dupe. Et quelques personnes ne sont pas dupes. Et on fait tout ce qui est en notre pouvoir au péril de nos vies. Et en sacrifiant nos vies, hein, pas comme ces manipulateurs. Hein. On sacrifie notre vie. Eux, ils sont avec leurs enfants. Hein. Drouet. Flyrider, etc. Votre serviteur et plein d'autres, on ne les voit pas, nos enfants, d'accord? On sacrifie notre vie pour passer l'information, pour réveiller, éveiller, pour qu'enfin d'autres prennent le relais et que ça grandisse, ça se contamine avec le bon, le bien, la bonne information, le bon éveil, et ça se contamine et qu'il y a cet esprit d'éveil. Depuis le début, je vous ai dit, la meilleure chose à faire, c'est d'aller récupérer un merdia. Il y a France 3 qui a triché, il aurait fallu fermer l'antenne. CNews, je viens de vous le montrer hier, il me semble, ils ont diffusé une vidéo vieille d'un an de Macron au Touquet pour la présenter, c'était dimanche dernier, pour la présenter. Comme si c'était le jour même au Touquet Macron, alors qu'on voit sur la vidéo qu'ils ont diffusée qu'il y avait Benalla là-dessus, donc ça date d'il y a un an. Normalement, en fermeture d'antenne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça aurait été en Turquie, les gars. Ça aurait été en Russie. Mais vous auriez, encore une fois, je l'ai dit et je le redis, vous auriez demandé une résolution à l'ONU. CNews, France 3, vous avez fauté. C'est pas. Alors France 3 a dit que c'était un technicien connard. CNews nous a dit qu'elle a viré une jeune stagiaire.
On s'en fout de vos histoires internes, on s'en fout de qui a fait quoi, que vous les avez virés, vous les avez fouettés, c'est pas notre problème ça. Vous avez négligé, et cette négligence est grave. Donc voilà, les amis, si vous voulez vraiment qu'on aille vite, moi, vous voyez, je vous parle, vous êtes quelques-uns, mais c'est pas l'auditoire. Si j'avais la chance de donner un quart d'heure sur France 3, vous imaginez un peu. Vous avez l'impact, mais ça, je sais pas moi, imaginez, France 3, vous passez dedans les vidéos habituelles que tout le monde regarde sur la franc-maçonnerie, sur les guerres, sur... et avec des personnes comme votre serviteur, comme d'autres, qui viennent expliquer deux, trois petits détails factuels, historiques, qui vous expliquent les complots, etc. Mais en 48 heures, c'est terminé. En 48 heures, tout le monde est arrêté. Il n'y aura pas plus doux comme révolution. Bon. Les gilets jaunes merdiatisés vous en fait tourner en rang vous disant que c'est à Bourges qu'il faut aller, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, place de l'Étoile, place de la République, les Champs-Élysées, pour au final que personne n'aille là où il faut aller. À l'Élysée, ils ont dit, ça c'est une connerie, ça justifierait une intervention étrangère, pour au final que personne n'aille bloquer BFMVC ou un autre merdia. Et pour au final, aujourd'hui, ils nous disent, bah, écoute, c'est trop difficile, il faut que je retrouve femme et enfant, voilà, moi je vous laisse, mais je vais suivre ça incognito, vous inquiétez pas. Minable. Les amis, alors, les derniers qui ont écrit, parce que vous avez été, tiens, Fleur Salinger sur VK, tu as envoyé un lien, j'espère pour toi que c'est pas une manipulation, sinon je te bloquerai. Alors, merci Max Moondog pour ton soutien. Bertoni Franco, bonsoir et bienvenue. Laurence, toi, je vais te bloquer. T'as pas autre chose à dire que de dire Noël, c'est pas fini, on peut défaire le sapin. Bon, ben, je te bloquerai. Valana Motonul, bonsoir, tu dis oui, il s'est bien foutu de notre gueule. Alors j'essaierai de préparer, j'ai promis un travail pour demain. Allez les amis, Francis CH, tout le monde, bonsoir. Les amis, bonne nuit et à demain. On se retrouve demain. J'espère vous lancer demain un petit travail de montage. Bonne nuit les amis.